19h, 19h, et tu es encore dans The Big Gumiaski, on est bien, hein. T'as pas envie de partir en fait, c'est ça. Installe-toi dans le fauteuil. Alors, on va prendre un petit café, tranquille, le temps que ça démarre. Hein. Et tu veux des sucres? Oui. Ok. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un shmup. Je prends ma meilleure pose de fauteuil en cuir. Je vais vous parler d'un shmup que les enfants redoutent. Les adultes aussi, d'ailleurs, je crois. Et c'est un shmup des années 2000. Oui, alors, dans les années 2000, la coutume de la boulette à haute densité est devenue une tradition, hein, vous avez un peu remarqué. Et il se trouve que je vais vous parler de Psyvaria, qui paye pas de mine quand on le regarde comme ça du premier aspect, mais derrière cette simplicité apparente, nous cache un domaine de vice et de perversion que l'on redoute toujours un petit peu. Oui, oui, Psyvaria est un manic shooter, mais la densité de boulettes à l'écran va être assez élevée. C'est pour ça que je prends du café. Ceci dit, prendre du café, c'est une très mauvaise idée. Et je vous le dis tout de suite, pourquoi? Juste parce que, en fait, le positionnement va être au pixel près pendant toute la partie. Donc si vous êtes trop speed, trop énervé, trop tendu, et que vous cherchez un petit jeu pour vous détendre, évitez Psyvaria, ça va pas le faire. Je vous le dis tout de suite. Faut l'aborder avec un zen intégral. Mmh. Oh, il est parfait ce café, il est parfait. On va partir dans le jeu? Oui, ce serait une bonne idée. Alors, je le lance un peu d'avance et je vérifie qu'il se lance correctement parce que le pépère est un peu long à mettre en route. Si en plus j'ai mon fel, ça pourrait être pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe, la régie? Je n'ai pas de fel. Oui, je sais, je suis un dieu vivant. Ah ah. Oh oh. C'est juste qu'on n'a pas l'image, c'est dommage. Oui, vous connaissez la tradition. Un stream, un fell. Et donc, comme d'habitude, eh ben, je vais relancer le jeu, hein, tout simplement. Je suis déterminé, je suis courageux, je suis indécrottable. Hop, hop, hop. Psyvaria deuxième, c'est parti. Oui, je fais les claps à la main parce que bah, Jean-Michel est en vacances, donc du coup je me suis retrouvé tout seul comme un con là, et c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Comment ça, ce serait un deuxième fail? Non, pas du tout, regardez. Un tour de magie, un tour de prestidigitation, ceci va disparaître, ceci va s'effacer, et ceci, dans une dimension parallèle, va plonger, tout simplement. Donc voilà l'animal, un shooter vertical à l'intro magnifique, mais alors faut que vous ayez mis à lire, hein. Il va falloir lire vite les gars. Alors, pendant la lecture, je vais vous détailler le fonctionnement du jeu. Le fonctionnement du jeu, c'est un level up constant. Et oui, on n'a pas d'une nouvelle arme ou une extension de tir qu'on obtient comme ça. Il va falloir faire avec ce qui vous est donné à la base et l'améliorer en ne cessant de ramasser les bonus qui vont tomber de l'écran. Ceci vous donnera accès à des tirs un peu plus puissants. Mais ceci dit, il va vraiment falloir vous démerder tout seul parce que vous avez que ça pour vous battre. Alors c'est pas très très sexy au niveau graphisme. Oui, t'as un jeu 2D avec du rendu un peu 3D dedans. L'anti-aliasing est inexistant. On est en 2000, hein, les gars, un peu de tolérance. Vous allez voir que le pépère... voilà. C'est pas une bonne démo. J'aimerais qu'il vous fasse voir une vraie démo du vrai jeu. Parce que là, c'est rien, ça. Fais-nous voir une vraie démo. Tu ne veux pas? On y va. Allez,
Ça va être moi la vraie démo. Faut que je me rappelle des commandes. J'ai lancé le jeu juste pour voir et j'ai vite compris ce qui nous attendait. Donc je me suis dit, vite enregistre-le. Débarrasse-toi-en. Non, c'est pas vrai. Piu, 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 piu. Alors vous voyez que le gars, dès le début, il annonce la couleur, c'est bonjour, il va y avoir des tirs. Ah ouais, on est bien dans un shoot. Donc là, je viens de passer un level. Donc mon armement s'améliore. Et le but, c'est de le conserver tant que faire se peut. Oui, je casse cette expression, c'était dans mon contrat. Pour aller plus loin, et puis que les différentes parties du jeu se révèlent pas trop être des calvaires. Alors plutôt que de faire des grands mouvements dans ce jeu, je le répète, comme dans tous les maniques, mieux vaut faire des petites saccades de stick. Hein. Ça vous portera plus bonheur que les grands déplacements de ouf. Alors je crois qu'il y a un tir alternatif, mais je me rappelle plus sur quel bouton il y en a. Et il doit y avoir une super bombe quand même, il y en a trois même. On le voit, c'est écrit, c'est en bas. Oh, j'ai ma jauge de level. Je peux choisir directement de sauter un tableau, mais vu que je suis un cessard. Et oui. On va faire durer ma domination. Enfin, c'est pas dit qu'elle dure longtemps. Hein. Ah, peut-être que j'essaye des autres boutons, voir. Alors, je suis censé avoir une fonction qui me permet de faire des tonneaux pour essayer de me faufiler entre des tirs. Mais ceci dit, je n'ai pas vraiment essayé et c'est pas dit que ça fonctionne bien pour moi. Alors faut pas hésiter à monter un petit peu, provoquer l'affrontement, parce que sinon, si vous commencez à laisser votre écran rempli par des ennemis, faut pas imaginer qu'ils vont rester impassibles et juste attendre la fin du niveau comme vous. Hein. Oui, c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai fait. Je savais pas s'il restait à l'arrière-plan ou s'il était au premier plan. J'étais en train de réfléchir à ça. C'est ce qui m'a perdu d'ailleurs. Et qui fera rigoler pendant encore longtemps, je pense. Ah, purée. Alors, les boss, un petit poil long apparemment. Ou alors, j'ai pas du tout la technique pour m'y prendre, je ne sais pas, mais. Faut pas être pressé. Troisième niveau. Mais comme le veut la tradition, c'est là que les choses vraies de la vraie vie vont se révéler, il me semble. Alors un petit détail que j'ai oublié de préciser, pour recharger votre jauge de level en haut, comme moi vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de bonus qui tombent, bah oui, donc ça se fait comment? Bah, en fait c'est le leeching sur les tirs qui va vous permettre de recharger cette jauge si vous regardez bien. Alors c'est vrai, ce jeu est pas très très beau quoi. En 2000, on était en droit d'attendre autre chose. Mais ceci dit, si vous faites on peut pas tout faire en même temps, les gars. Si vous faites abstraction de
Oh, ça va se calmer là. De ces graphismes qui sont d'une méchitude relative. Bah, le jeu est quand même pas mal. Parce que du coup, derrière, on a un boulot de trame, de pattern, qui est assez bien bossé. Et tu veux pas crever toi? Ok. Et du coup, vous voyez bien que le narrateur, par exemple, de ce stream, n'arrive pas à se positionner idéalement du premier coup. Ce qui en général est signe de jeu intéressant. Oh putain, je déteste ces patterns-là. Celui-là aussi. J'arrive jamais à voir le quadrillage du premier coup. Voudrait-il bien crever le gars en face, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il fut pas trop tôt. Oh, regardez-moi ce ralentissement machine pendant une explosion tellement elle est gigantesque. Donc c'est un jeu qu'il faut aborder, pas pour son caractère visuel ou son rendu, mais surtout pour son gameplay, parce que c'est intéressant cette histoire de tir qu'on upgrade tout le long. Et puis de déplacements qui sont vraiment millimétrés. Si c'est votre genre de gameplay, foncez dans Psyvaria, il va plus que vous plaire, une fois que vous aurez fait abstraction de ce petit visuel qui n'est pas très très glamour, c'est vrai. Qui est même moche. Ah c'est dit, je l'ai dit. Alors faut pas que je le dise avant la fin du jeu parce qu'il est capable de se venger. Il est pas mal ce jeu, visuellement. Mais à la fin je dirais qu'il est moche quand même. Non. Oh là 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 là. Alors je le répète, non, pas de grands mouvements de va-et-vient là-dedans. De toute façon, vous avez vu, le vaisseau est assez long. Et c'est un poil fait exprès, vous avez quand même de la trame de boulettes assez dense à vous farcir. Et je sais pas où je passe là, les gars. Bah oui, quand je sais pas, je le dis maintenant. Je préfère avouer le truc, les démarrages. Qu'est-ce que tu fais avec ta grande queue, toi? Oh putain, il fait mal quand même. Alors je trouvais pas de solution à ce qui suit. Et là c'était que le début d'abord, car ça continue. Encore et encore. Oh putain. Oh, mais pas de gloire, pas de challenge, pas de... J'ai pas géré ça comme il faut. Donc comme d'habitude, il existe des super plays sur les interwebs que vous oserez regarder, je pense, si ça vous intéresse. Parce que sur ce titre-là, ça doit être assez rigolo. Les trames à partir de ce niveau-là et jusqu'à la fin, normalement, devraient commencer à devenir assez méchantes, y compris pendant le déroulement des tableaux. Genre avec ces trucs-là qui veulent pas crever. Et vas-y, fais-toi plaisir, Mauricier. Putain. Moi, je veux bien les litcher vos boulettes, mais là, c'est pas du litching, c'est du victiming. Faut jamais trop réfléchir dans ce jeu. Si tu réfléchis, c'est que tu t'es arrêté de bouger. Si t'as arrêté de bouger, c'est que t'es mort. Parce qu'il faut pas ne pas bouger non plus. Faut juste bouger par petits à-coups comme ça, regardez, comme c'est tendre, comme c'est mignon. Ça passe comme papa dans maman. Là, ça va moins être le cas. Oui, bon, ça va sans pépin. Hein. Et là, je sens que ça va être simple. Mais alors, simple. Non. Bah oui, bah si. Il y a des moments où tu peux pas. Tu veux ou tu ne peux pas. Non, c'est presque trop facile, là. C'est pas normal. Ah bah voilà. Alors attends, je réfléchis, j'ai trop réfléchi, je crois. Hop. La bombe millimétrée, parce que là, je pigeais pas ce qui se passait. Ah, le fucker,
Ah, il est tendu celui-là, je vous garantis. Ah, non, je passe pas. Là. J'ai beau chercher une raison, un motif. Il vous invite à être tout le temps focus, quoi. La moindre perte de focus, c'est bon. Vous l'avez dans quoi? Bah oui, dans cette os encore, le cubitus. Alors, je crois qu'il y a un autre tir, hein, mais je suis pas arrivé à le trouver. Parce que j'ai des variations de tir quand même. Non, c'est vrai. Ce fut moins catastrophique que prévu. On a fini, je peux rentrer. Non, mais j'ai laissé des trucs sur la gazinière. Bon, d'accord. Soit. Arbre, pourquoi pas. Oh putain. Ça va être le bordel, ça va être le bordel, ça va être le bordel. Le dire c'est rien, le faire ça va être encore pire. Le subir, c'est maintenant. Oh. Et l'autre il reste à gauche. Je vais bomber les gars, de toute façon vous m'avez pas l'air très sympathique. Ouais, moi c'est ces gros lasers dégueulasses. Il en met de partout. Il a même pas demandé à sa mère s'il pouvait s'en servir, je suis sûr. Donc c'est naze. Bombe. Et je voyais pas d'autre moyen là, de me débarrasser de cette situation qui était un peu collante. Oui oui, donc vous avez vu ma théorie de je bouge pas trop, comme ça fonctionne bien là. Faut jamais, jamais vous exciter dans des gros mouvements comme ça. Ça ne sert à rien. Alors, qui dit aspect géométrique simpliste dit corvée dans pas longtemps. Goulag. Galère numérique. Ah non, je voyais pas de moyen de m'en sortir les gars. Et ils sont bizarres, c'est plus putain. Et je passe où moi? C'est vraiment millimétré. Hein. Saloperie. J'ai pas la super patience du super player de Manic Shooter qui lui sait se positionner au pixel près. Genre, il corrige même le cap à un pixel si je vois qu'il y a un aileron qui déborde trop. Non, moi ça marche pas sur moi. Moi c'est. Ça bouge! Faut que je fuis. Je ne peux que feindre le calme impassible du spécialiste du Manic Shooter. Ah, mais tu me fais chier. Oui, on peut dire que celui-là, je vais le passer comme une burne. C'est vraiment le terme approprié. Non, 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 non. Je voyais pas où il me fout. Des fois je vois, mais des fois je vois pas. Je vois pas. Il y a une temporisation comme ça, tac 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 tac, mais je l'ai pas. Puis en plus mon pad là, je veux pas faire le mouleur perpétuel, mais il y a des jeux sur lesquels le joystick, c'est quand même mieux. Un vrai stick arcade. C'est quoi ça? Je crois que ça doit être le dernier boss du jeu, parce que je vois pas comment on passe là. Ça part en bonbon comme un salaud quoi. Donc le jeu n'est pas super long. Et Psyvariar, bah, pour pas mal de petits défauts comme ça accumulés, va pas aller dans les top jeux. Par contre, il va aller dans les sélectionnés, puisque c'est un titre sur lequel il sera agréable de revenir. On a vu qu'il y avait de quoi rôder. Apparemment, il y a peut-être des courses, des tableaux alternatifs, des courses alternatives à développer en choisissant son chemin différemment. Il y a aussi ces trames de boulettes qui quand même valent la peine d'être un petit peu étudiées, parce que si on arrive à le 1CC, celui-là, je pense que ça peut être une bonne petite fierté.
Donc, Psy Variard sélectionné. Si vous manquez d'inspiration pour les shmups, je vous laisse la playlist généraliste des shmups. Je vous laisse également la playlist globale. Et puis, je vous rappelle que vous avez le droit de vous abonner. C'est vraiment plus intéressant que de se demander quand on va sortir la nouvelle émission. À demain, 19h, même endroit. Ciao.